Bonjour et bienvenue dans votre premier épisode e-santé, enjeux et stratégie. Aujourd'hui, je vous propose en préambule de ce nouveau rendez-vous d'aborder le contexte politique et réglementaire de la e-santé. Du début du XXe siècle à nos jours, que s'est-il passé et pourquoi autant de temps? Tout le monde a déjà entendu parler de la e-santé ou de la télémédecine, notamment durant la première vague de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'évolution de ce domaine jusqu'à sa réglementation actuelle qui est unique au monde. Avant de commencer, et comme l'expose cette première image, il est important de savoir différencier les nombreux champs de l'e-santé, de la télésanté et de la télémédecine, notamment sur le plan juridique et sémantique. L'e-santé englobe tous les champs du numérique en santé, tels que la télésanté, la m-santé ou mobile santé et la télémédecine. Seuls les systèmes d'information en santé, tels que le dispositif dossier médical partagé, donc le DMP, ou le système d'hébergement des données de santé HDS, où la télémédecine bénéficie à ce jour d'un cadre juridique clair et structurant. Ce cadre a notamment permis de définir les actes de télémédecine tels que la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance ou encore la régulation des urgences par le téléphone que constitue le SAMU. Sur les points clés à retenir, la e-santé répond à de nombreux enjeux. Tout d'abord, la problématique d'accès aux soins sur certains territoires. Ensuite, l'évolution de la société, habituée aux technologies, mais également très sensible à sa santé. Les citoyens deviennent donc acteurs de leur santé. Un besoin, par ailleurs, de développer la culture de la prévention en santé, pouvant ainsi, sur le long terme, donc contribuer à une meilleure consommation des soins et une rationalisation des coûts liés à la santé. Mais également, aujourd'hui, donc, les technologies sont dites abouties. Les seules limites sont donc l'humain et le réglementaire. L'humain sur le plan d'appropriation des technologies et les changements de pratiques que cela peut apporter notamment. Le réglementaire sur l'encadrement d'un secteur en plein essor avec le développement notamment des objets connectés. Comme vous le constatez, effectivement, sur ces diapositives, l'usage du numérique en santé a plus d'un siècle. Cependant, sa reconnaissance juridique est très récente avec une succession d'arrêtés ou de lois depuis notamment les années 2010, favorisant ainsi son accélération. Notamment ces dernières années suite à la crise sanitaire de la Covid-19. La télémédecine et le numérique au sens large ont progressé bien plus vite les 100 premiers jours de la crise sanitaire qu'en 10 années. Cette situation est unique et a démontré d'une part, pour conserver un minimum d'accès au système de santé, le numérique justement peut constituer un levier. D'autre part, les possibilités données par les objets connectés permettront certainement de surveiller de façon plus optimale l'état de santé de certaines pathologies, notamment les pathologies chroniques. Le numérique en santé est devenu donc un enjeu national fort du gouvernement. C'est un enjeu de santé publique, mais également de souveraineté pour la France sur le volet numérique. Notre système de santé doit se moderniser et s'adapter aux défis d'une société moderne. C'est dans ce contexte que le gouvernement notamment déploie un dispositif de loi visant à rénover le système de santé dans lequel l'e-santé joue un rôle stratégique. Le numérique est par exemple présent dans les 10 chantiers qui constituent le programme Ma Santé 2022. Suite à la crise sanitaire, une nouvelle prise de conscience vient renforcer notamment cette dynamique en incitant le gouvernement à investir encore plus pour accélérer le virage du numérique. C'est ainsi que le plan de relance de l'économie 2020-2022 se voit doté de 3,5 milliards d'euros consacrés spécifiquement au numérique. L'e-santé est donc promise un bel avenir dans une période qui devient propice à son développement, tant sur le plan politique, économique que sociétal. Cependant, il reste encore l'encadrement juridique de certains secteurs de l'e-santé, tels que l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets, les objets connectés, pour stabiliser définitivement ce marché. Je vous remercie pour votre attention.